aurait pu être pire. Tu te souviens de la mission d'Arago? Je t'appelle Groot. On s'en est tiré avec une bonne vieille fusillade et on a chopé l'arme biologique au passage. Pâture à l'un de ces monstres. Merci, Drax. J'ai hâte de voir ce que ça fait. On a de la compagnie. Pas trop tôt. Elle va nous poursuivre jusque dans les derniers recoins de la galaxie. La galaxie n'est pas un cul. Tu ne portes même pas de chemise. Rigolez tant que vous voulez, mais sans moi, vous seriez pas capable de passer cette porte. Sans toi, on ne serait pas bloqué devant cette porte. On n'aura pas de tribut de rien une fois qu'on lui aura vidé son coffre. On ne sait même pas si on parviendra à accéder à ce qu'il... Vous voyez ? Il est juste là, le coffre. On fait le plein, et comme a dit Will, on repart par où on est arrivé. 5000 unités au Ténébro qui tuera ces soi-disant gardiens de la galaxie! Ok, bon, voilà comment on procède. Une seule catastrophe à la fois. Ça a intérêt à
qu'importe ses convictions. Taille dans le vif du sujet. Lady Elvender doit nous affronter en personne. Tout ce que tu veux, c'est flirter avec elle. Nous sommes à intérêt à déborder de richesses. Faut qu'on a de quoi payer l'amende et s'en sortir vivant. Ça me va. Écrase l'ennemi, Drac. Trouvez-les et tuez-les! Je veux leur tête! Je veux parler des Wolfras! Emballe ça, mon pote! Rester en mouvement. Nous sommes en mouvement. Bon, bah alors on devrait accélérer. Ah, t'es chaud. Suivez-les. Mouah, fuyez, pleutre. Les gars, je crois qu'on s'est jeté dans un piège. La vache. Non, il n'y a pas de vache. Que tout le monde cherche une issue. Et vite. L'œil meurtrier est retour. Ils sont deux. Quand ils se percuteront, ça fera un joli trou dans le mur. Ouais, mais on sera mort d'ici là. Trouvez une issue. Super. Et maintenant? Maintenant, on trouve un plan incroyable pour s'enfuir. C'est pas moi qui ai vu notre Arion X. Le sol est plus fragile ici. On va finir à ces menus. Ça, c'est pour le destructeur où je ne connais pas. Je vais le réduire en cravate. Ralentis ces trucs, Peter. Qu'on aille patauger dans les égouts. Je veux plus être mouillé, j'ai dit. Je ne veux plus entendre un seul mot de ta part. Vous avez une façon drôlement curieuse de me remercier. Je n'ai pas de gratitude à exprimer. Moi, j'ai plutôt une envie de meurtre. Ça va, personne n'est parfait. Il y en a ici qui ont servi un titan forcené, d'autres qui ont un peu pété les plombs le pourchassant. Il y en a ici qui aiment pas trop entendre qu'ils ont aucune valeur. Tu as de la valeur, Rocket. Mais il vaut clairement moins aux yeux de Lady Elvender. Elle disait qu'elle aurait acheté Groot. Groot est pas une espèce de bus qu'on peut marchander. Mais bon, toi tu dois avoir pas mal d'expérience dans le trafic d'êtres vivants. Baisse d'un ton ou je te coupe la langue. Arrête, tu me fous les miquettes. Mon frère tombe son couteau à beurre. Groot vous invite à aller vous rouler dans les chardons. Je s'appelle Groot. Ah d'accord, d'accord. Alors vous êtes tous contre moi, quoi. Mais au final, vous ramperez tous devant mes pattes poilues. Mais pourquoi faut toujours qu'il y ait de l'eau? Considère ça comme du karma liquide. C'est de l'eau, si je ne l'ai vu. Par ici. Tout le monde, plus un bruit. Allez, on leur coupera la route encore. Parfait. Ça ne me semble pas parfait. Ça veut dire qu'on se dirige dans le bon sens. Direct dans une embuscade. Si on sait ce qui nous attend, c'est plus une embuscade, si? Je savais qu'on n'aurait pas dû vendre la fouine. C'est qui là que tu traites de fouine? Sauf erreur, elle parlait clairement de toi. Y'a que la vérité qui blesse. Eh ben fais attention. Et c'est encore un plan de génie des gardiens de la galaxie. En fait, c'est Drax qu'on aurait dû vendre. Elbender, elle nous aurait supplié pour une nuit avec le gros ballon. Le nuisible nous doit encore 12 000 unités. 12? D'où tu sors ce chiffre? C'est une mesure de ma frustration grandissante. Tout ce qu'on a à faire, c'est plier le coffre. Vous pouvez souffler, on arrive au but. Un coffre, ouais, comme promis. Et une porte géante verrouillée. Attention! Embuscade! Hey, non, on les embuscade!
s'occupe spécifiquement pour ça qu'on aurait dû essayer avec Groot. C'est triste, mais je suis d'accord. J'arrive pas à le croire. On a réussi. J'en ai jamais douté. Ça me rappelle l'arène de combat sakkarienne. On serait beaucoup mieux là-bas. Drax, jette ça. Unités supplémentaires, rongeurs. Tu les récupéreras quand on sera rentré dans le corps. Vous voyez en pièce. Adieu. Mais là, il aurait dû... Hey, rassemblement. Je s'appelle vous. Je sais. Je crois qu'ils veulent que je continue de les faire sauter. Et faut l'avouer, à chaque fois qu'ils explosent, ça fait un tableau. Fascinant. Pas question qu'on perde aujourd'hui, Quill. On repeint le champ de bataille, Rocket, avec des tas de couleurs. Mais si on s'emballe trop, cette grande fête, cette euphorie colorée, elle disparaîtra. Qui est avec moi? Aujourd'hui, je suis le destructeur. On va bien s'amuser. Viens, bon. Attention. Rocket, laissez de quoi? J'ajoute 50 unités à ta dette. Non, ça, Drax. C'est typiquement pour ça qu'on aurait dû essayer avec Groot. J'ai mal choisi, ça va. On aura peut-être pas perdu notre journée après tout. Groot. Ces gardes sont vraiment des durs à cuire. C'est drôle. On dirait qu'ils aiment pas être cambriolés. Ok, la voie est libre. À toi, Rocket. Dépêche-toi. Oui, bien sûr. Aucune des serrures de Xandar ne peut résister. Je prendrai en compte chaque minute supplémentaire pour ta dette. Calme-toi. On bouscule pas un génie. Tous les ténébreux au coffre principal! Ou sinon, je peux me manier et croiser les doigts. Hé, le méchant Ficus! C'est fou, Gamora! Tu n'as aucune chance! On est en train de se faire acculer dans un coin! Comment tu t'en sors, Rocket, ça avance? Juste une estimation. Empêchez les approcher de Rocket. C'est pas un plan stratégique. Nos coups ne lui font rien. Maintenant, on est tenté de tenir à 6. Le plus longtemps possible. Que les Dielbender nous laissent aucun répit. D'où il sort là, ce gros mur des enfers? Je ne suis pas sûr, mais faisons de lui notre priorité. J'ai besoin de souffler un peu, Groot. Tiens, t'es pas. Thank you.
juste poignarde quelqu'un. Je m'attendais à mieux de la part d'un serviteur de l'Eagle 22. Eh bah c'est déjà ça. Bougez vos fesses tant que vous en avez encore. Arrête de manier trop, Groot. Braque la porte. Tu vois? Rien n'a... Gamora, t'as pas le droit de tuer un collègue. Et pourquoi pas? C'est bien écrit dans ton contrat. J'ai jamais fait une telle promesse. Je s'appelle Groot. Il est pas fiable, Peter. Ah, nom de la femme la plus recherchée de la galaxie. La plus dangereuse. C'est pareil. Mais c'est plutôt un merci, Rocket. Pour avoir failli nous faire tuer. Pour nous avoir fait entrer... dans le coffre-fort le plus pourri du grand nuage de Magellan. Tu disais qu'il y aurait des trésors. Un crâne de Gilaron a beaucoup de valeur. Mais on s'en cogne de ça. Oh, les gars! On a besoin d'un plan. Je suis d'accord, j'ai les bras qui commencent à fatiguer un peu. Tiens bon, Drax. Gamora, couvre-le. Enquête et moi, on va essayer de trouver un truc de valeur. Groot! Essaie de rien casser. Il doit y avoir autre chose que de la dope dans tout ce foutoir. Je s'appelle Groot. C'est pas parce que c'est joli que ça coûte cher. Il est tout bête, ce lustre. Et en plus, il a l'air super lourd. Je s'appelle Groot. Bon, eh ben, c'est pas dérisoire non plus, mais on est encore loin du compte. Et voilà. C'est pas énorme, mais ça s'accumule. Eh ben voilà, quand tu veux. Vous voyez que c'est pas un mauvais plan. J'en ai pas un bon non plus. Je crois que Drax vient de se démettre l'épaule. Ok, bon bah au moins on a le montant de l'amende. Pourquoi on s'arrêterait là? Après ce qu'elle nous en a fait baver, moi je dis on la dépouille. Ah, parce que c'est nous les victimes? Ça suffit. Peter Quill. C'est devenu silencieux. Silencieux comme silence paisible ou comme silence de mort? Je pencherai pour silence de mort. Oh, s'il te plaît, Drax, dis-moi que tu nous as pas enfermés. J'ai rien fait du tout. Vous m'épatez presque. La créature des bois est plus hargneuse que je ne l'avais imaginée. Profitez bien du contenu de mon coffre, gardien. Car c'est la dernière chose que vous verrez. Quel dommage de gâcher mon gaz clintarien sur de si médiocres individus. Essayez de ne pas fondre sur mon crâne de Gilaron. Il faut qu'on trouve une sortie. Et vite. Il est à la fois précieux et difficile d'entretien. Respirez un grand coup. Vous avez pas l'impression de brûler? De la tête aux papates? Le gaz clintarien réduit les matières organiques en un tas de bouillies et d'ossements qui fument. Bon allez, tirons-nous de cet endroit tant qu'on a encore des organes qui fonctionnent. Serre-toi de ton casque, Quill. Je veux pas finir réduit en flaques sur le sol. Hé hey, j'ai encore trouvé des unités. Vous êtes encore en train de chercher du fric, sérieusement? Oh, c'est pas de refus. Quel refus? Mais allume ta visière! Il y a
une issue derrière ce mur. Je m'en charge. Tu y arriveras pas à main nue. Il nous faut quelque chose de lourd. Je s'appelle Groot. Groot a raison. Il a l'air vachement lourd, celui-ci. Gamora, tu crois que tu peux couper un de ces lustres ? Attention ! Là, je suis mort de rire. Drax, balance ça sur le mur ! De toutes mes forces ! Ça ira ! Allez, en avant! J'espère que tu sais ce que tu fais! Moi aussi, ça fait deux! Et c'est parti! Je peux le prendre! Est-ce que tout le monde va bien? Gamora, Drax. Je survivrai. Ma couche épithéliale est intacte. Rocket, Groot, vous êtes où? Oh, flac. Est-ce que quelqu'un voit une issue? Je vois de la lumière. Eh ben, évite de t'approcher d'elle. Gardien de la galaxie, combien de fois vais-je devoir vous tuer? Gagne du temps. Quelle arrogance! Vous avez cru que vous pouviez me voler? Pour info, on n'était pas tous partants pour ce plan. Sympa de soutenir. Et pourquoi tu me balances pas direct? Savez-vous ce que j'ai fait aux derniers imbéciles qui ont cru que j'étais une proie facile? Vous les avez libérés? J'ai rien trouvé. On est coincés. Lady Hellbender, réglons cette affaire dignement. Je vais vous affronter en duel. Dignement. Ton offre ne vaut rien, destructeur. Personne n'échappe à mon courroux. C'est pas un problème. À table, hôte des ténèbres. C'est un vrai monstre. Eh ben, on va en faire un vrai canard. On pourrait lui couper quelques tentacules. Vous voulez pas qu'on en discute, plutôt? Sans ça, on va discuter, Garicus. Vas-y, attache. Quand il sera privé de moi. Oui, vous paierez pour votre insolence. Attends.
Quill, lâche-toi sur ces imbéciles. Pour moi, celui-là. Ah, fais les terres. Rejoins ton créateur. Comme dans du beurre, elle est pas trop fort à passer les ponts. Oh. Oh, non, c'est... Ma lame a soif de sang, tueuse. Appelle-moi encore comme ça et je t'écartèle. Je ne suis pas l'ennemi, traîtresse. Hé, les amis, ces clous ne nous battront jamais. On est recherchés. L'assassin, le rongeur et l'arbre sont peut-être des criminels, mais j'ai purgé ma peine. Je voulais dire, on est des renégats. On ose se mouiller parce qu'on a peur de rien. Alors, est-ce que ça vous dit de m'aider à enterrer tous ces lombriques? Qui est avec moi? Je vous crois. Génial, hein, je vous crois. Oh, génial. Grosse dans le vif. Alors, comme si on n'avait pas déjà assez de problèmes comme ça. Nous avons déjà bien assez à faire comme ça. Écoute-moi ça. Elle ne laissera jamais passer ça. Vous êtes condamnés. Ramène-toi, saleté foule de géant! Ou toi, on va te découper en petits cubes! Allez, à la tâche! Maintenant, c'est le moment de frapper maintenant, Peter Quill! Dès qu'il coupe un morceau, il repousse! Il est grand temps de poignard quelqu'un. Faites tes prières. Pas question de te laisser là comme une bûche. Oh, merci.
dégage, Groot! Relève-toi, mon grand! Je ne fléchirai plus! Cesse de lutter! Allez, donne-moi une fenêtre de tir! Oh, ça le détruis-les, mon zombie! Ceinture. Ah, tu parles d'une virée? Ce n'est pas le moment de se réjouir. On a fait une énorme erreur. Un énorme tas de fric, surtout. On n'échappera pas à la colère de Lady Elbender. Ça reste à voir. C'est quoi, ça? Oh.
Vous m'appartenez, gardien de la galaxie. Elle va nous pourchasser jusqu'aux confins de l'univers. Ah ouais, et alors? On s'est bien cassé de ce bouge avec le fric, non? Le fric que tu nous as forcé à voler. Ouais, et tu fais quoi du casse de Cytopia? Je t'ai pas entendu te plaindre. Lady Hellbender n'est pas une banque. Ouais, t'as raison. Et si c'en était une, on serait bien plus riche. Oh, 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 un problème à la fois. Lady Hellbender va vouloir se venger, tu peux me croire. Eh ben, elle va devoir attendre son tour, je dois d'abord appeler Corel. Plus vite on paiera cette amende, mieux ce sera. Ouais, perdons pas de temps pour redevenir fauché. C'est bizarre. Y a que l'argent qui t'intéresse, rongeur. Non, j'aime aussi les bombes. Et la bibine? Ah, des bombes de bibine. Nikki? Alors c'est vrai. Vraiment encore? Y a un problème avec la connexion. T'as tourné le bidule? Ouais, pas moyen. Nikki, ta mère est dans le coin? Il faut vraiment que je lui parle. Elle est avec moi. Après ton départ, on est allé dans la zone de quarantaine. Je me suis faufilé à bord. Il y avait une brume noire. T'as essayé de réduire la bande? Ouais, je l'ai déjà fait. Ça doit venir d'autre chose. Je te perds, Nikki. Passe-moi ta mère. Tout avec tes poumons, père. Toute cette lumière. Le grand planificateur a interdit ce miracle. Je crois qu'il est arrivé quelque chose à l'enfant. Ah, forcément, elle est chez les Nova. Tu peux essayer de réparer ça? Ouais, ouais, calme-toi, putain, je vois. Il y a deux raisons. Je vais vérifier le système. Je peux tous les ramener. Je dois seulement. Enquête! Non mais regardez! Elle a bouffé tout le matos, l'autre! Enquête, détends-toi, mon vieux, c'est que du matériel. Hein? Que du matériel? Et regarde-moi ce travail! Où est-ce que je vais trouver des pièces, moi, pour réparer ça? Tout est fichu! J'avais dit que c'était une erreur de garder ce truc. Mais tu m'as écouté? Eh ben non, bien sûr que non! On l'écoute jamais, Rocket! Moi, je suis juste bon à réparer le vaisseau! Écoute, je te promets qu'on va réparer tout ça très vite. Ah ouais? Comme tu nous avais promis que ta copine serait cool avec nous? Ouais, ça... Hé, hey, t'es injuste, là. Tu veux que je te dise ce qui est injuste? C'est que je sois le seul à me faire des poils blancs à cause du Milano. Bon, écoutez. On doit s'arrimer pour réparer tout ça. Heureusement, je connais un type sur Nowhere qui a ce qu'il faut. Et il nous débarrassera aussi du mouchard des Nova. On ne peut pas abandonner l'enfant. Elle se comportait bizarrement. Le lama chose a bouffé tous les câbles. C'était sûrement dû au problème de connexion. Et si on se débarrasse du mouchard, Corel va envoyer toutes les cohortes de Nova à nos trousses. Gamora a raison. On a fait une promesse. J'ai fait une promesse. Vois si tu peux localiser Corel. On va payer l'amende. Il y a foutage de truffes, là. Comme ça, on n'aura plus les cohortes de Nova sur le dos pour notre prochaine mission. Ouais, si toutefois il y en a une. On dirait que Groot a maîtrisé cette brouteuse en série. Elle a pas intérêt à revenir mâchouiller mon vaisseau. Ça va barder. Dis-moi, rongeur, aurais-tu fait du mal à la femelle lama si l'arbre n'était pas intervenu? À ton avis? Rien pour attendre. Je t'invite à te réfréner. Ça me ferait de la peine de te priver d'un bras. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes pour le lama, toi, maintenant? Nous l'avons arraché à son habitat naturel. Nous devons maintenant en prendre soin. Oh, l'autre! Hé, hey, Groot! La grignoteuse infernale, elle essaie de brouter quelque chose, là-bas? Super, touche à rien. Je commence à me dire que c'est peut-être ça son aliment de base. Je s'appelle Groot. Ah, la quarantaine, ce sera un vrai buffet à volonté pour une bête qui bouffe des câbles. Tu penses vraiment que la femelle lama se nourrit essentiellement de câbles? J'en sais, moi. Peut-être.
Oh, j'ai entendu des choses plus étranges que ça. De nombreuses légendes catassiennes évoquent des bêtes mangeuses de métal, bien qu'elles préfèrent engloutir des épées de guerriers, d'ordinaire juste avant une bataille importante. Bratix ? Ça bouillonne là-dedans ? Je te demande pardon. C'est un genre de... d'expression. Pour dire que je paierai pour savoir ce que tu penses. On devrait garder notre argent pour l'amende des cohortes de Nova, ou sinon... Drax... Dis-moi juste à quoi tu penses. Disons que je réalise que j'ai peut-être présumé de mes connaissances. Notre visite sur Seknarf 9 a ébranlé mes certitudes. Parce que Lady Hellbender n'est pas une géante ? Clairement pas, non. Mais ce n'est qu'un détail, Peter Quill. En faisant route vers la forteresse, j'ai pris conscience que nombre de mes convictions sur cette équipe étaient erronées. Sérieux ? L'assassin et le rongeur. S'il ne s'était pas vaillamment battu à nos côtés avec l'arbre, nous ne serions plus en vie maintenant. Je te l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'ils ont un passé trouble qu'ils sont méchants. La vie est... compliquée, Drax. Rien n'est jamais simple. Ça l'était, sur Katas. J'avais une famille que je chérissais, et des croyances sur la vie qui sont remises en question. Tu retrouveras tes repères. Au bout d'un moment. Gamora, t'as trouvé ? C'est quoi ? Des poupées ? Oui. Non. C'est pas important. L'espoir d'Ala est dans le taillot. Ta console a les coordonnées. Bon. Et alors ? Pourquoi t'as fermé l'écran ? Ça te regarde pas. Oh mais si ! On a l'impression que t'essaies de nous cacher quelque chose. Oui. C'est juste. Je suis vraiment désolé de te contrarier, mais j'ai tout vu. J'imaginais pas que tu collectionnais les poupées. Bon, je les collectionne, et alors ? Il y a plein de gens qui ont des passe-temps. Groot collectionne les plantes, Rocket est obsédé par les bombes. Ouais, ouais, et Drax a des tas de... couteaux cauchemardesques. Tu vois ? Pas de quoi en faire une montagne. Sans doute. Tu sais, quand j'étais petit, je collectionnais des trucs aussi. Les cartes de baseball, les figurines... Donc tu penses que ça fait immature ? Non. C'est pas ce que je voulais dire. Je te fais marcher, Peter. Ça m'est égal ce que tu penses. Je préfère juste pas parler de mes passe-temps. Le compteur tourne, Peter. Ok, tiens-toi bien, Corel. Tu vas Corel est sûrement en train d'espionner ce vaisseau. Elle regarde si on prend la bonne décision. Ta copine a rempli sa part du contrat, Quill. Est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est elle ? Je vérifie. Même appellation qu'avant. Il s'agit bien de l'espoir d'Ala. Calme, c'est la procédure standard des Nova. Mon vaisseau va bien. Quelle partie de ton vaisseau ? Demande à Quill, celui qui arrête pas de le cracher. Bon, allons payer cette amende.